things I can see. Yes. Things that bleed when struck with a spear. I'm lost here. Just this once, I'll give you something special. I'll grant unto you the sweetest of dreams. I don't really like fighting very much. Is the key master. Scenes like these are happening all over the galaxy right now. You too want to be an immortal? From this moment forth, thou art arisen. I can feel the hatred, but I cannot feel the source. What's your plan? Knowing you have only 66 days to live. Ready yourself. If I want to survive, I have to play their game. Your hopes were always doomed to fail. You have to fight until the end. Everyone wears a mask. You too! I felt as if I was awakening from a years-long coma. Night Springs, a special place, a shifting space. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette soirée en live. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Elfebron, merci pour ton raid. Bienvenue à toi. Nous sommes à 8 minutes 45 du début de la conférence du Summer Game Fest. On va se remettre le son du live. Hop, voilà. Bienvenue à vous, bienvenue pour cette conférence. On attaque du coup les conférences du mois de juin de l'année 2024. Cette année, je vais couvrir 1 heure au diff. On va couvrir ce soir du coup le Summer Game Fest. Ça va durer 2 heures, ça commence dans 8 minutes. Normalement, dimanche soir, on devrait couvrir la conférence Xbox. Ce sera à partir de 19h. Et à 22h, il me semble, il y a le PC Gaming Show. Donc voilà, on va faire ces deux conférences-là, les deux conférences qu'on fait habituellement. Avec peut-être, au milieu, on regardera peut-être la rediff du Devolver Digital qui va avoir lieu cette nuit, mais à 3h du matin. Donc je serai plus là parce que je dois me lever. Je sais pas si je vais tenir rien que pour ce soir. Bah, on verra bien. On verra bien. Bienvenue à toi en tout cas, merci pour le raid. J'espère que ça s'est bien passé ton stream, je sais pas trop sur quoi tu étais. Si satisfactory, on est vendredi. Et lundi soir, du coup, dernière conférence du Summer Game Fest, ce sera la conférence Ubisoft Forward, du coup. Donc voilà, on va avoir quelques conférences sympathiques à avoir ce soir, à avoir sur ce week-end. Et après, j'espère pouvoir reprendre les streams de manière un peu plus normale, on va dire. Là, ça va... Ça y est, j'ai passé normalement le plus dur, ça va se calmer au niveau du boulot. Je vais pas être claqué, finir de bosser chez moi, il est 21h30, 22h et coucher 22h30 en gros. C'est à peu près ce que j'ai fait là depuis 15 jours, 3 semaines, donc c'était compliqué. Mais bon, ça se termine, ça va aller mieux. On va pouvoir restreamer un peu, ça va faire du bien. usine de cadres modulaires lourds, ok, bon bah tant mieux si ça avance bien. Ce soir du coup, Summer Game Fest, moi ce soir ce que j'attends, déjà le jeu Jurassic Park, j'aimerais bien qu'on ait des nouvelles du jeu qu'on a vu, c'était l'année dernière je crois, je me demande si c'était pas déjà l'année dernière qu'on a eu le premier trailer pour le Jurassic Park Survival, moi qui m'intéresse beaucoup, aimant beaucoup cette licence, j'aimerais bien avoir aussi, bon alors, c'est une conférence Geoff Keighley, donc je suppose qu'à un moment on va parler d'Hideo Kojima. J'aimerais bien avoir des news de Death Stranding 2. J'avais beaucoup aimé faire Death Stranding et du coup j'aimerais bien avoir des infos un peu sur le 2. On a eu, c'est vrai, un trailer quand on a. Il y a un an aussi de ça, je crois que c'était DS2. L'annonce, il me semble que c'était aussi au Summer Game Fest. Voilà. Il y a des rumeurs comme quoi on pourrait avoir une annonce console de Nintendo, mais ça j'y crois pas du tout. On parle d'un nouveau Tomb Raider aussi, peut-être, dont on pourrait entendre parler. Indiana Jones, mais Indiana Jones, je pense qu'on entendra plus parler dimanche, parce que Indiana Jones, c'est
un jeu d'un studio Xbox. Vu que c'est ceux qui font The Evil Within, je sais plus qui c'est. Pour le moment, rien d'intéressant. Alors, tu veux quelque chose qui t'intéresse ? J'ai peut-être quelque chose qui t'intéresse. On pourrait avoir le remake d'FF9. Potentiellement, on sait que le studio de Yoshi-P, encore moins. Bah, je crois que t'aimais bien FF9. On sait que le studio de Yoshi-P, en tout cas, est en train de bosser sur deux projets différents. Il y en a une, comme quoi serait la grosse rumeur, ce serait que ce serait un remake de Final Fantasy IX. Bon. On n'entendra pas parler d'Endwalker, hein, ça m'étonnerait. D'Untrail, pardon. C'est celui que j'aime le moins. Et les remakes, d'accord. Okay. Voilà, après, on va voir plein de surprises. Moi, j'aimerais bien avoir des nouvelles aussi sur Dune Awakening, donc le MMO dans l'univers de Dune. Ce Dune est un univers que j'aime beaucoup. Et j'espère que le MMO sera bien. Et voilà, j'ai hâte de faire ça. Allez, 4 minutes avant le début du show. Est-ce qu'il y a des jeux que tu attends, toi, du coup, Elf ? Ou les autres, d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a des jeux que vous attendez sur cette conférence ? Mais voilà. Je pense qu'on ne verra pas d'Untrail dessus. Ce n'est pas les jeux qu'on voit souvent sur la Summer Game Fest, malheureusement. Alors que pourtant, il sort dans 15 jours, donc... Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Science. Bonsoir Maximilienac. Maxime, je suppose, bienvenue à toi, ça va bien ? Bah, ça va bien. J'espère que toi aussi. On s'apprête à suivre du coup la conférence du Summer Game Fest de Geoff Keighley qui va commencer dans un peu moins de 4 minutes. Alors, à part le 7, je croyais qu'ils avaient trouvé une astuce pour changer l'histoire, mais même pas, donc non, remake. Je sais, alors, j'ai fait 2 streams sur Rebirth et j'ai pas eu le temps d'y jouer après. Je le ferai cet été, donc je me suis pas spoilé sur ce qui se passe, même si je connais l'histoire de base, j'aimerais bien voir s'il y a des twists quand même. Bienvenue à vous, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts. On va passer 2 heures à peu près ensemble sur cette conférence. On espère une grosse surprise à la fin, j'aimerais bien avoir une petite surprise, un jeu qu'on n'a pas du tout attendu... Alors, ce sera sans doute un petit peu tôt, mais j'aimerais bien avoir des nouvelles de Star Wars Eclipse, qui m'intéresse beaucoup plus que Star Wars Outlaw. Star Wars Eclipse, ça, c'est le Star Wars développé actuellement par Quantic Dream, mais a priori, il l'annonce pas avant 2027, donc on risque pas encore de le voir. Mais bon, ça va bien, bon, bah, tant mieux, bienvenue en tout cas. Bienvenue, bienvenue. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est pas mal déjà tout ça. Peut-être Mass Effect 4 ? Mass Effect 4, on n'a pas vu de Mass Effect depuis les Game Awards. C'était, je crois, en 2020. C'était l'année où il n'y avait pas de public, où ça s'est terminé par l'annonce comme quoi BioWare était en train de développer Mass Effect 4 et depuis on n'en a pas entendu parler. Donc voilà. Mass Effect, c'était une trilogie que j'avais beaucoup aimé. Du coup, bah, faire un 4, pourquoi pas ? Un vrai 4. En sachant que voilà, on aura peut-être des petits teasers pour des choses qu'on verra sur des conférences autres comme le Xbox Game Showcase qui aura lieu dimanche soir ou l'Ubisoft Forward qui aura lieu lundi. Le 3 conclut la trilogie, je trouve. Ouais, bah après, faut voir ce que ça va faire. Hein. Moi, ça m'intrigue en tout cas et je le ferai sans doute quand il sortira. Allez, 1 minute 30 encore du coup avant le début de cette conférence. Donc voilà, pendant la minute qui reste, là je vous rappelle les conférences qu'on va suivre sur la chaîne, on fera celle-là de dimanche soir, le Xbox Game Showcase à partir de 19h à 22h, le PC Gaming Show et lundi à 20h, 20h ou 21h j'ai un doute. J'ai un doute d'un coup. En tout cas, l'Ubisoft Forward, lundi soir, à 21h, l'Ubisoft Forward. Donc voilà les conférences qu'on va suivre sur cette Summer Game Fest. Un
contre, j'attends que tu continues le 7. Ouais, ouais, je sais. Moi aussi, j'aimerais bien continuer, mais comme t'as vu actuellement, j'ai pas beaucoup streamé là depuis un mois. Malheureusement. Ça va se calmer, donc là, ça, je vais pouvoir revenir un peu plus. Dimanche après-midi, on fera peut-être du Lego aussi, d'ailleurs. Allez, on va passer en plein écran. Et du coup, comme d'habitude, je vais essayer de vous faire un maximum de traductions en direct sur ce qui va se dire sur cette conférence. Et j'ai oublié de vous dire aussi, hein, comme d'habitude, je suis un des co-streamers officiels de l'événement. Après, j'en ai pas parlé cette fois. Allez, c'est parti du coup pour le Summer Game Fest. Cheers. Viewer discretion is advised. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Merci d'accueillir sur scène le créateur des Game Awards, Jeff Keighley. Je crois qu'ils sont au YouTube Theater à Los Angeles. Hello everybody, welcome to Summer Game Fest 2024. You ready to see some video games? Bonjour à tous, bienvenue à la Summer Game Fest 2024. Est-ce que vous êtes prêts à voir des jeux vidéo? On est tellement excités d'être là avec vous. Et c'est le showcase pour montrer tout ce qui va se passer dans la suite pour le jeu vidéo. Bienvenue à tout le monde qui regarde autour du monde. You deeply care about this art form and the health of this industry. The good news is that we have a lot of amazing games to show you from creators around the world over the next 2 hours. Alors pendant les 2 heures, on va avoir plein de jeux, plein de nouvelles annonces. But let's also face it, this has been a tumultuous and difficult year with company layoffs and studio closures. Mais on peut pas dire que ce soit une année qui soit bien passée avec toutes les licenciements qui ont lieu dans les jeux vidéo. Il y a une autre chose qui se passe. Notre industrie évolue et change. Smaller teams and new creators are finding avec les nouveaux axes de distribution, maintenant des petites équipes peuvent avoir des gros succès. Regardez cette liste par exemple. C'est les 10 jeux les plus meilleurs, les 10 meilleures nouveautés sur Steam. Seulement 2 sont considérés comme des jeux de grosses compagnies. Les 8 autres viennent de solo développeurs ou de petites équipes. C'est cool, right? And I get inspired. That new ideas, new teams, and smaller creators can and will break through. It's a reminder to big companies. Et ça m'inspire beaucoup de voir que certains développeurs solo ou petites équipes arrivent à percer. Because today there are many paths to sustainability and success, and that's what makes this industry so so great. Le fait qu'il y ait tous ces chemins et tous ces chemins du succès, c'est ce qui fait que cette industrie est vraiment géniale. Et il y aura des grosses franchises ce soir, Star Wars, Batman, Harry Potter, mais aussi des plus petits titres, avec quelques petits jeux faits par une seule personne. Et on les invite parce que c'est important en fait de que ces petits jeux et ces petites communautés aient un endroit pour parler en fait. Et si vous voyez un petit jeu, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis pour qu'ils le connaissent également. Et c'est ce qu'on va faire aussi ce soir pendant les 2 heures qui viennent. Et après la conférence, il y a le dev de Dave que moi je ne suivrai pas, mais vous avez une deuxième conférence sur les jeux indépendants qui suit le Summer Game Fest. Et ça commence maintenant. Et voici notre première annonce. PlayStation. Lego. We see you as more of a sidekick. Oh sure, I get that a lot, but check out my range. Okay, okay. Rage! Empathy. Oh, hilarity! This guy! Strength! Chez Guerrilla. Ah, c'est la coopération entre Lego et Horizon. Ok. On a entendu parler de ça. Je pense pas qu'on pense là-dessus. Donc, ça vient, ça veut dire qu'on aura peut-être des. Je l'ai cette minifig. Ça veut dire qu'on aura peut-être des nouveaux sets sur Horizon. That hot dog guy is Aloy, an amazing video game lead.
Thunderjaw went mad and is tearing through the valley. Don't worry, I'll bring it down. This is gonna be fun. Yeah, right in the eye. And cut fire attack. A lonely hero. Donc, je l'ai pas là, elle est en bas, mais j'ai le set avec à l'œil dedans, avec le marcheur. Le grand coup, pardon. Lui. Hunting with her pals. Exploring. Wow, what is this place? Collecting all the shiny things. Collecter toutes les choses qui brillent. And making a home. Ah, il y a Spaceman. Spaceship. Aloy, the Thunderjaw's back. Oh, right, the Thunderjaw. Ooh, that's a big one. Je vais y prendre de quoi écrire. J'arrive. Stylo. Hop là. Juste pour vous rappeler ce qu'il y a. Lego Horizon Adventures, du coup. Le nouveau jeu Lego qui sortira à la fin de l'année 2024. Oh, yeah, the Woo guys, there you go. Wasn't that fun? That was LEGO Horizon Adventures coming out later this year for PlayStation, but also day one on PC and Nintendo Switch. It's a playful, light-hearted sur, story. PlayStation, jour 1 sur PC et également Nintendo Switch. Supporting couch and online co-op. All right, now we're going to completely shift the tone. Allez, to the change, next game. On change complètement pour le jeu. The developers behind Chivalry 2. For their next project, they are proud to announce le studio derrière Chevalerie 2, Hell 2, the sequel to the 2011 award-winning Source mod. Eight players start separate in the dark, and it's up to you to find your friends and survive with permadeath. Here is the first look. Après, on va avoir 8 joueurs. Il va falloir trouver son... Ah, je connais ça. Il va falloir trouver en fait ses alliés sans faire de bruit et il y en a un qui va jouer sans doute le monstre. C'était ça je crois dans le mode original. Et en fait il faut brancher le micro et si tu parles trop fort il t'entendait. Il me semble que c'est ça. J'ai fini level 30, j'ai pu synthétiser tous mes poissons. Bien joué. J'ai monté mon botaniste niveau 45 pour pouvoir aller récupérer ce que j'ai besoin pour faire des oignons de Tavener. Permades. Coop à 8 joueurs, c'était pas du tout ce que je pensais. Massivement rejouable. No More Room in Hell 2. Early Access à Halloween. Coming this Halloween looks really, really intense. All right. To introduce our next game, please join me in welcoming someone who I've known for over a decade. She's been a huge fan of some of our reveals like Street Fighter VI a few years ago and, of course, Final Fantasy VII Rebirth last year when she was sitting in the audience. Well, this year, she's joining us on stage. We're thrilled to have her. Ils accueillent quelqu'un qui va faire le présenter. Curious Joy qui va annoncer le prochain jeu. Elle avait adoré l'annonce de Street Fighter VI et de FF7 l'année dernière. Thank you, Jeff. Hi everyone, I am so excited to be here at Summer Game Fest. I'm here with you today je sais pas qui to share c'est. Some even more super fun trailers. So, let's get straight to another world premiere. This is a highly anticipated game from a beloved franchise. Let's take a look. Allez, on continue, world premiere, nouveau jeu, une franchise bien aimée. We all dream of soaring through the sky like Harry Potter, ah c'est le jeu de Quidditch sur Harry Potter. When it comes to Quidditch, we've all wondered. Do I have what it takes? Sans doute pour ça qu'on n'a pas de Quidditch dans Legacy. Parce qu'ils prévoyaient de sortir un jeu spécialement sur le Quidditch. To beat your toughest opponent? To keep your composure in the face of adversity? To
to chase your dreams at any price. To seek glory for your team. No challenge is too great. No dream is too big. So ask yourself, do you have what it takes? Do you have the heart of a Quidditch champion? Magic in the air, allez, allez, allez. Pardon, c'est pas celle-là. Harry Potter, Quidditch Champion. Le 3 septembre, du coup, Harry Potter, Quidditch Champion. On avait entendu parler pas mal quand même à un moment, ça. Harry Potter, Quidditch Champions, launching worldwide on September 3rd for consoles and PC. Console et PC. Now we move from the Potterverse to a brand new world. Ça va vite, hein. From a single developer, et un jeu de basket, Gavin tu disais des gros mots, t'avais des pénalités. Been making games all by himself for a decade. Facebook, his last title, Choo Choo Charles, was a fan favorite, and he showed me this next game a few months ago, and I really wanted to debut it here. Get ready to backstab race. J'ai pas tout écouté, du coup, je prends des gros messages. 20 of your friends in Cuffbust. Cuffbust, un jeu multijoueur à 20, a priori. C'est un mur avec une cuillère quand même, hein. T'as la ref? Ah bah j'ai pas d'aref. S'il y a une ref, je veux bien la connaître, du coup. Cuffbust 2025. That's a fun one, right? And remember, that's all made by one person. Et c'est fait par une seule personne. So glad to have that on stage. Le mec qui a fait Choo Choo Train. All right. Next one of this year's most anticipated games is Star Wars Outlaws. Ah, on va parler un peu de Star Wars Outlaws, un des jeux les plus anticipés de l'année, qui sortira édité par Ubisoft. Star Wars game where you live the life of a scoundrel. On Monday at 12 p.m. Pacific, you'll get to see a full gameplay showcase during Ubisoft's Forward event. Lors de Ubisoft Forward lundi soir, on pourra voir du gameplay. But right now, we've got an exclusive new glimpse at the game. Mais avant ça, on a un petit avant-goût de ce qu'il y en aura lundi. A friend needs a little something stolen. Donc évidemment, Star Wars Outlaw, on en reparlera surtout lundi pendant la conférence UBI. Rien qu'à cause de DUI, c'est quoi DUI? Même pas, j'achète en vrai ce jeu. Je sais qu'il y a, il faut avoir la connexion internet obligatoire à l'installation, ça a posé des problèmes ça. Sortira le 30 août. Je savais que c'était en août, je ne savais plus exactement quand. Think I spotted Lando there. So great. And by the way, I just noticed. Après, il y avait Lando dedans. Everything we're showing so far, I think, is going to be, you know, coming out, you know, this year. Cuffbust, I'm not quite sure, but it's like it's so cool that there's stuff. Non, Cuffbust, c'est 2025, Jeff. All right. Well, moving back to smaller teams, a few weeks ago, I had a chance to play through this next game, and I have to say,
It is really spectacular. Neva comes from Nomada Studio, the creators of the Game Award-winning game Grease. It chronicles the story of Alba, a woman bound to a curious wolf cub. Here's your first ever look at the gameplay. D'accord. Par les créateurs de Gris. On est parti sur un rythme un petit peu fou là sur cette conférence parce qu'en 15 minutes on est déjà au 6ème jeu. Hein. Ouais, d'accord, je vois. Des jeux très jolis et d'autres où le style de gameplay est très fun à jouer. Oui. Neva qui sortira en 2024. Ça ressemble beaucoup à Grille, leur jeu précédent. C'est fun à jouer et c'est très joli. Il y aura plus de choses dessus sur Dev the Dive, la conférence qui suivra la Summer Game Fest. Et on continue avec l'annonce suivante. Dune. Study the past. If you would define the future. No. All are architects of fate, working in these j'avais vu ça, walls je disais c'est d'une mais. Let us all for death prepare. All... Let me not hop là, petite saute du stream. Ingloriously and without a struggle. Ah, on est sur quoi, une civilisation? But let me first do some great thing that shall be told among men hereafter. Each of us shall endure this world's life until the end. Ouais, ça ressemble à, la musique ressemble à du Civilization. Et l'évolution, on passe de la mythologie à des moments récents et tout ça. Civilization 7, ça. Yes, Civilization 7. 2025, Civilization 7 qui sortira donc le nouveau Sid Meier. Hello everyone at Summer Game Fest. Voilà Sid Meier d'ailleurs. On behalf of the Firaxis team, we are thrilled to finally announce that Civilization 7. Ah, ça veut dire qu'il bosse toujours pas sur XCOM 3. And consoles next year. I'm in awe of the l'année prochaine team du coup. Brought us to this moment, but we also have to thank you. Our incredible fans around on voudrait aussi remercier nos fans à travers le monde qui ont supporté cette franchise. We can't wait to share more, and we hope you'll join us later this summer for the full reveal of Civilization. Et on espère que vous nous rejoindrez plus tard cet été pour le reveal complet. Stay civilized. Peut-être et d'ici là, restez civilisés. Peut-être à la Gamescom, parce que je vous rappelle qu'il y aura une conférence de Geoff Keighley à la Gamescom Opening Night Live, qui aura lieu fin août. Ça veut dire que Firaxis bosse toujours pas sur XCOM 3 et ça c'est dommage. Après Civilization j'aime bien aussi.
Wukong, ça on l'a déjà vu. août 2024. Ah oui, c'est eux qui ont eu l'idée de faire un Assassin's Creed au Japon avec ça. Quoi ? Non, ça c'est Ubisoft. Là, on n'est pas sur... On est sur un jeu sud-coréen, là, c'était. Alors, un jeu VR, méta. Ah oui, d'accord, t'étais encore là-dessus, pardon. Asgard Wrath. J'ai pas vu quoi ça sort. Ça sent les pubs, ça. Là, ça sent les jeux payés et pas proposés. La manière dont ça s'enchaîne comme ça. Ça, c'est peut-être la dernière extension de Destiny. Là. Non, peut-être pas. And yet non. Hope still glimmers, even in the depths of the unknown, like mayflies. We die to live again. Oui, si vous ne connaissez pas, hein, désolé. Moi, j'aime bien essayer de deviner quels jeux on... les jeux qu'il s'agit quand je regarde des conférences. Wherever we remain standing, we stand together. Once human. La pub pour le Game Pass. Ah, pardon, pour Samsung, il y a le Game Pass à l'intérieur. Have any of you faced Tyranids before? Only these past 2 days. Je sais pas quand est-ce qu'il sort celui-là, ce serait bien qu'on ait les Space Marines. C'est un jeu qu'on peut faire à 3 ou 4 je crois, j'aimerais bien proposer à la team faire un jeu un peu plus bourrin. Ah bah 9 septembre tiens, Space Marine. All right, welcome back to Summer Game Fest. We've got some amazing developer guests joining us throughout the show, and I'm very excited to introduce our first guests. They are legendary creators who are working on a brand new fantasy RPG Metaphor, slated to launch this October. Please welcome the director and art designer of Persona 3, 4, and 5. Ah, on va sans doute parler de Persona 6. Créateur de Persona 3, 4 et 5. Non, pardon, c'est vrai qu'ils ont leur jeu Métaphore avant. C'est vrai, on l'a déjà vu sur Game Awards, je crois. Thank you, everybody. It is a pleasure to be here. My name is Hashino, and I'm the director of Métaphore. Et c'est un honneur d'être là avec Monsieur Soejima. Archetype という他のゲームでいうところのジョブですね。その姿に主人公たちが変身して明日の未来のために戦うというとても熱い RPG です。This game is an RPG in which the party members transform into their jobs, which we call archetypes. Où les personnages se transforment dans leurs architectes. C'est ce qui leur permet de combattre les ennemis. 誰もが持つ不安、不安と向き合うことによって覚醒する力です。全てのアートワークは力強さとオリジナリティを意識して描いています。その総数は40種類以上にも及び、経験を積ませると一部のアーキタイプは進化することもできます。
Archetypes are the embodiment of power born from the will to face your fears and anxieties. We les architectes sont nés de votre volonté de battre vos peurs. In total, there will be more than 40 types of archetypes available. Il y aura plus game. De 40 architectes. These archetypes can gain experience and even evolve. Some of them ils can evolve into stronger versions. Et ils vont pouvoir évoluer. メタファーはアトラスの RPG、我々が作ってきた RPG のノウハウをすべて結集させて作っています。とても大きなボリュームのゲームです。今日はこのアーキタイプをテーマにした最新のトレーラーをお持ちしました。ぜひご覧になってください。ありがとうございました。So we are pouring all of our acquired expertise into this game to make it as exciting as possible. Dans ce jeu pour qu'il soit aussi excitant que possible. Our latest trailer today, et on va vous montrer notre dernier trailer. Thank you very much, and we hope you enjoy it. Merci à tous, et on espère que vous allez aimer. It is said that we all have inherited heroic virtues deep within us. The reality is, we oppress. We fight. A great evil flows through this land. You have found a way to wield true magic. Many more protectors and followers will gather to your side. Remind people that the same powers lie dormant within them. Quand même beaucoup à celle de Persona. On guard! You must acquire more archetypes and bring them together. How's this? Gower! No holding back! Now you've acquired a most interesting power. An archetype whose existence was only theoretical. You wield power now. Yeah. Et ça sort le 11 octobre. Such an honor to have Hoshino and Shojima with us on stage. Thank you guys, and for that deep look at the archetypes, such stunning visual designs. Now we're going to jump into the Arkhamverse. Batman Arkham Shadow is a Et on retourne sur l'Arkhamverse, donc Batman avec Arkham Shadow qui sortira plus à la fin de cette année. Devotees. Here's your first look at the story trailer for Batman Arkham Shadow. Shadow, voici le story trailer. C'est du MetaQuest, donc c'est de la VR. There's a new darkness overtaking Gotham, driving the city mad. The only light left is from the fire in the streets. Casting shadows of rats on everything that was once good. Fear is their weapon. But they're not the only ones who can use it. The Rat King will stop at nothing to destroy my city. How far will I go? To destroy him. À l'automne, ça sortira. Le gameplay de trailer sera disponible à la Gamescom. On va affronter les rats. C'est bizarre l'ambiance dans la salle aujourd'hui. I'm looking forward to heading back to the Arkhamverse. Now, it is time to update fans on a legendary fighting game franchise. And that includes me. Because I have been Salut a fan of this series d'être ever since un one of its first Bienvenue, iterations and have been playing each one Après, ever since. On va partir sur un jeu de fighting ensuite. Il parlait d'un Dragon Ball Z en jeu de combat. Est-ce que c'est pas ça?
Comment vas-tu, Termitino? Super, on va nickel. Ok, c'est pas Dragon Ball du coup. T'as déjà raté une bonne liste de jeux par contre, je sais pas si t'es là depuis le départ ou pas. Street Fighters? Ah, c'est des personnages de Street Fighter, d'accord. Ah oui, bah forcément du coup avec le... Ok, c'est les nouveaux personnages pour Street Fighter. Dont il y a Bison, notamment. Dans les jeux qui sont sortis, on a eu un Lego Horizon Aventure, hein, donc sur le thème d'Horizon, donc avec l'œil. On a eu un jeu de Quidditch sur l'univers d'Harry Potter. L'annonce de Civilization 7, la date pour Space Marine. Et Batman Arkham Shadow, en gros, dans ce que j'ai retenu pour l'instant. Après, il y a des plus petits jeux comme Neva ou Wukong qui sont déjà passés. Et là, j'ai pas écouté. Regardez ce que c'était par contre. Mais voilà, Civ 7 du coup en 2025. Donc ça veut dire que pour l'instant Firaxis bosse pas sur XCOM 3. Voilà, désolé, c'est ce que moi j'ai retenu de cette annonce. Tears of Metal. Okay. Bah, j'étais pas loin. Hein. Voilà, voilà le jeu Dragon Ball. Octobre du coup Dragon Ball Sparking Zero. There you go, internet. We got your release date for Sparking Zero, October 11th. Now we step into the world of Delta Force Hawk Ops, a free-to-play Delta tactical Force, ensuite, shooter available to play on all platforms. Here's a look at their multiplayer FPS extraction mode. Un mode extraction team, multijoueur. Team, we've got a new mission. Operation Lightning Strike. The situation at Zero Dam is now very serious. The conflict's escalating between Havoc Corps and Alsaragon. It's time to take action. Objective:
Collect and decode the Mandelbrick, located at the tourist center at the southeast region. We need to utilize terrain for stealth insertion. Execute swiftly and silently. We're in position. Looks like someone beat us to it. We need to pick up the pace. Linda, clean the balcony. On your mark. Falcon clear. Go, go, go! Clear the area! Yoga, I'm going in. Shit! They've got a flamethrower! That's all for mission briefing. The drill is over. Operation commences. Good luck. But that is not all. The game's premium campaign mode, Black Hawk Down, is a reimagining of the original game that is also fully licensed to recreate moments from the award-winning Ridley Scott movie. Here is your world premiere first look at that gameplay. Gameplay sur la campagne, en gros, là, maintenant. Alpha test en juillet, j'ai vu. Du réchauffé, ouais, bon. Alors, de toute façon, on va arriver à 45 minutes. Alors, on est à 35 minutes, donc dans... On va arriver dans ce qu'on appelle le ventre mou des conférences Geoff Keighley. C'est-à-dire que pendant une demi-heure, après, ça va être un peu moins intéressant pour repartir sur la fin. All units prepared for landing. Mais bon, il faut dire que la conférence est partie très vite, hein. On a eu 6 jeux en 15 minutes. Enfin, ça a ralenti un peu là. Que, voilà. On suit déjà là sur ma feuille. And now, I have an update on Fatal Fury, City of the Wolves. For real this time. Oui, et il est possible d'en avoir directement sur la chaîne. Vu que je suis dans les streamers officiels de cette conférence. Mais ça marche pas toujours, donc j'en parle pas trop. Ah, ça marche. Bon, bah tant mieux. Là, a priori, si j'ai bien compris, c'est celui-là le jeu qu'elle voulait nous présenter tout à l'heure quand on a eu les personnages de Street Fighter. Il y a eu peut-être une petite confusion à ce moment-là. Fatal Fury. Début 2025. Alors, il y avait un truc là, comme quoi la Halo Remaster Collection pourrait peut-être arriver sur PlayStation. Ou est-ce que c'est juste le fait que... Non, c'est que pour Dolby, ok. On est sur les pubs. Ok, c'est la pub. Je voulais un G9 plutôt. Ça, c'est un drop pour Warframe. Ouais, c'est des drops Warframe qu'il va y avoir. Yeah!
Donc ça veut dire que tu dois faire plus de 30 000 que tu regardes sans doute. Ah oui, j'ai le drop aussi qui est tombé, moi, ça y est. Hey, j'avais même pas vu que sur ma chaîne ça avait mis automatiquement drop activé d'ailleurs. Ok, cool. Bon, ça a bien marché cette fois. Battle Crush qui sortira en Early Access le 27 juin. C'est toujours là. Là, on est toujours sur les jeux qui ont payé, hein, donc pour être diffusé. Break. We're back here at Summer Game Fest, and that was a look at Mecha Break with its immersive aerial and ground combat with lightning-fast maneuvers. Next, Jason Blum and his Blumhouse banner have become synonymous with incredible horror films over the years, Blumhouse like Get Out, Megan, and last year's Five Nights at Freddy's. Well, okay, so ceux qui font les Five Nights at Freddy's. The video game world in a big way. Ils entrent dans le ceux qui ont fait les films Five Nights at Freddy's, a priori. Et ils font leur premier jeu sans doute. Donc, jeu d'horreur. Dark times await us. Vengeance will take shape. Ils viennent avec plusieurs jeux là. I cannot sleep. I must not sleep. I am terrified to sleep. And I am scared to death to stay awake. Don't worry, Viv. If any ghosts actually show up, I'll protect you. Amy? I'll save you, no matter what. Just go home, Viv. Amy! The local police department asked me to help with a case. Why would they need a game designer? It should have some developer mode. Ah, le nouveau jeu de Sam Barlow. Project C. Dark times await us. Ok, c'est le lancement d'un nouvel éditeur, ça a priori plutôt. Blumhouse Games. Donc c'est eux qui vont éditer le nouveau jeu de Sam Barlow. Sam Barlow, c'est le jeu avec la fille dans les trois films. CEO and founder of Blumhouse and Louise Blaine, creative lead at Blumhouse Games. Ah mince, c'est dans le Pepperverse. En plus, j'ai les cartes avec les trois films. Guys, so we got ourselves a full slate there. That's incredible. So Jason, tell us a bit about why did you want to get into games like this? What are we doing? Well, we've been very, very busy. Immortality. I'm very happy to be here. Thank you for having us. Thank you guys all. Great to hear the fans out there. You'll all be very happy to know we're working at this very minute
on the sequel of Five Nights at Freddy's. It's coming. Il travaille actuellement sur Don't un sequel worry. Pour Five Nights at Freddy's. Pas de problème là-dessus. Horror is, to my great relief, getting more and more popular. Our movies are working. It's working on. L'horreur revient en gros sur le début du camp de la scène, devant la scène. On a voulu essayer d'apporter notre approche des movies, du film, pardon, et pour essayer de les emmener sur les jeux. Si vous avez vu dans les jeux indépendants, on va regarder des créateurs, on va leur donner une plateforme et on va encourager ces créateurs à être bizarres et à parler des choses les plus fuck up auxquelles ils peuvent penser et les mettre dans des jeux. It's a really diverse, cool slate. Luis, tell us a bit about, we saw a bunch of games there. What can you tell us about kind of the overall lineup of games? Well, as you just saw from our slate, our horror games are a lot like Blumhouse movies. They come in many different flavors of fear, which means there's a horror game for everyone. So maybe you're a fan of nostalgic 90s experiences with a bit of a twist. En gros, ils vont venir avec différentes expériences, différents thèmes. Or maybe, Jeff, you just want some bonus murder in your otherwise very cozy farming sim. I think, you know, we as horror fans, we know that there are so many different subgenres to explore. Mais qui fait quand même du farming sim. And our independent development partners, they feel the same and they're just as excited, which means we've got psychological nightmares, we have supernatural scares, we have cosmic horror. And our team has worked really hard to work with global, creative, talented partners. Et les équipes travaillent très dur pour amener ça sur l'écran déjà. Really want to... As we're working in indie projects, which means that we can take risks. You know, we can. Et on travaille sur des projets indés, donc on peut dire qu'on peut prendre des risques. On peut pousser les limites de ce qui est possible. Et on est vraiment très excités. Looks awesome, all the stuff you have there. And I know, you know, we'll get into when games are coming out, but some of these are coming soon, Jason. Right? We got a good slate. Well, yeah, we're on PC and console, and. Ça sera sur PC et console. And. Yeah, we wanted to start with not just one, but we wanted to start with a few games. So, on voulait commencer avec plusieurs jeux. Yeah, so Fear the Spotlight is our first release coming later. Fear the Spotlight qui sera le premier really qui statement. It's an amazing 90s horror experience. C'est un horreur des années 90. Super creepy. Et c'est très creepy. People be big fans of it, even if you're not normally into horror. And quickly, actually, Fear the Spotlight is getting its first trailer as part of the Day of the Dev showcase. So stay tuned after the show. Et donc Fear leur premier jeu là. Il va avoir le premier trailer durant le Day of the Dave juste après. Ce que j'en retiens surtout, c'est que c'est eux qui ont le nouveau projet de Sam Barlow. Thank you guys. All right. And now here's the world premiere of a brand new Power Rangers game with a retro feel. Un jeu Power Rangers. Pour la suivre, mode rétro a priori. Alors, en gros, les Tortues Ninja, ça a bien marché, donc on s'est dit, tiens, on va reprendre d'autres licences. Rita's Rewind. J'ai pas vu quand ça allait sortir par contre. Alors on change complètement de style à nouveau. Thank you.
Dear and Boy. Ça a l'air mignon. What a beautiful game, Dear and Boy, which comes from first-time developer Jason Houdet in Paris, who started that project alone in 2020 during the pandemic and now has a team of eight helping him realize his vision with la pandémie. From the French government and games like that are why we do this show. Le... First-time developers a chance to show ça you what they're working CNC, ça. All right, next, after a long wait, Kingdom Come Deliverance 2 is arriving later this year. This is a first-person open-world action RPG from Warhorse Studios. Here is a brand new look. The best laid plans of men don't always come to fruition. Man proposes, but God disposes. And then boots you right in the balls. These two young fellas, I need to find them. One's a smart-ass smith. And the other's a blue-blooded fledgling. You behave like a spoiled brat. How dare you speak? Gentlemen, praise be to our Lord Jesus Christ. Our Father, there are many sinners in this world. But in the end, we all face your judgment for what we should have done. But lacked the courage to do. The last time I ran away, I lost everything. I'm never gonna run from that fucker again. Kiss our asses! God, is this retribution for my sins? To the task! Ok, Kingdom Come Deliverance 2. Next, we step into the dark mind of Silent Hill creator Kayuchiro Toyama-san. Back in 2021, we announced his new game, Slitterhead, at the Game Awards, and now we're giving you a look at the gameplay from his independent Tokyo-based studio. Alors, un jeu indépendant par le créateur de Silent Hill, un des créateurs de Silent Hill, si j'ai bien compris. T'as joué non Termite à Kingdom Come le 1? Ça avait l'air assez déjanté à moitié quand même. J'ai jamais joué donc je sais pas. Médiéval plutôt bien foutu parce que j'ai déjanté dans les dialogues, ça joue. Très bon jeu là, en tout cas, ils ont dit le 2 c'est ce qu'on aurait voulu faire à l'époque mais on n'avait pas le budget. Ok, d'accord. Splitter Edge, je crois, j'ai pu voir.
C'est pas pour moi tout ça. Pensez qu'on a, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de nouvelles du jeu K-pop avec des gamins en voiture là. On l'avait vu il y a quelques années de ça, c'est dommage, avec la musique un peu K-pop. Good. I used to be an assassin for the Shadow Agency. An international organization powerful enough to shape the world. Until they lied to me and tried to kill me. Now, I'm gonna destroy them. You're the gosh darn idiot who wants to take down the Shadow Agency! Well, it is sure nice to meet you. Before you die... They made me who I am, and I will make them pay for it. Killer Bean. Glad you liked that one. That was Killer Bean, a third-person roguelike shooter made by another single developer, believe it or not, right here in Los Angeles. C'était Jeff développé Blue, par un single developer. An animator on movies like The Matrix Reloaded. So fun. It's amazing what can happen in this industry. All right, to introduce their brand new game, please welcome from the Game Bakers, a small independent studio in Montpellier, France, Audrey LePrince and Emmerich Toa. Les gens from Montpellier, France. Hello, everyone. I'm very happy to be here. ça sent pas du tout qu'ils sont français. Bonne nuit, Elf. Merci d'être passé. Merci pour ton aide. Always come up with something new. So after Fury and Haven, we're here to introduce our new game. On va pouvoir introduire leur nouveau jeu qui s'appelle Care. Survival Climber. When I was a teenager, my dad prepared an expedition to Mount K2, but half of his team didn't come back. And I've always wondered why do alpinists risk their lives in such extreme conditions? Les alpinistes a priori qui risquent leur life dans des conditions extrêmes. In Cairn. Cairn is a game about what it takes to go beyond your limits. Dépasser ses limites. Hein. And the climbing gameplay is the challenge. Ok, c'est un climbing gameplay. Very intense. Donc, and realistic. On va voir ce qu'elle a dit. It's a face-off between you and the mountain. And what you're going to see in the trailer is not from cutscenes. It's the actual climbing gameplay. C'est le jeu réel. C'est pas des cutscenes. You can see more later today during Day of the Devs, but now let's have a look. Et on en parlera plus tard dans le ils en parleront plus tard dans le Day of Dev.
Cairn, du coup. Un jeu français. Ah, c'est Annapurna. Édité par Annapurna. Ok. Ah non, c'est celui-là, puis Annapurna. I'm not meant to be here. Par le créateur de Stanley Parable. I'm a fighter. I'm meant to be in the arena, in combat. But instead, I'm out here in the middle of the woods, running a tea shop. So, what does running a tea shop involve? Well, there's a lot of gardening. And I've had to get used to the pretty unique tea machine they've got here. None of these tasks are all that hard, they just take patience. And I'm not really the patient type. But I'm surviving. Of course, I have to actually serve the tea to our customers. And once that's done, I'll usually check in with Boro, the guy who owns the shop, to see if my help is needed anywhere. And when all the chores are done, sometimes I'll just sit on a bench and do absolutely nothing. It's not fighting, but it's peaceful. And what's weird is that I actually feel good. I'm happy. I can stop running now. I can stop. I can stop. I can stop running. This is good for me. I need to enjoy this. I feel good. I'm happy. I'm happy. I'm happy. Wonderstop 2024. That was Wonderstop, the announcement of the next game from Davey Redden, the creator of the Stanley Parable. The fuck? I sense there's ça. A twist coming as you would expect from him and Ivy Road. Ouais, il va y avoir des petits twists. All right, now here's a look at the story trailer for Unknown 9 Awakening, a narrative action-adventure game that tells the story of Haruna, a young woman born with the ability to venture into the fold, a dimension that overlaps our own. Turn your thoughts inward and focus on your shade. Do you feel it? A priori, les runes dans ce jeu, elle va pouvoir passer sur une dimension qui est un peu parallèle à notre. Your progress is impressive lately, Haruna. These are incredible. They called themselves the Sahin. Nine among them were chosen and shielded from death. The Unknown Nine. Does this have anything to do with why Vincent is here? Humanity has lived for eons at the mercy of the Nine. It's time we took control of our own destiny. Why are you so interested in Vincent, anyhow? He killed someone I loved. Remember stepping. Find your target and bridge the gap. You don't belong here. You're wrong. This is exactly where I'm meant to be. Unknown 9 Awakening. The fold is a strange place. Vincent found something down there. J'attends de First Descent, mais je pense qu'ils vont mettre à la fin. Je sais pas. Ça dépend de ce qu'ils ont à mettre au final, c'est possible. Ok, on est sur les pubs à nouveau. Je suis obligé de passer en deuxième page de ma feuille. Pardon. Ah, delusion taken form walks into my great hall. Feel honored to fight a legend.
Fin 2024, il va y avoir une orgie de jeux vidéo en tout genre. La concurrence est impitoyable. Ouais, j'ai l'impression que c'est de pire en pire chaque année en fait. Your greatest final chapter. Et notre IA, qui sortira 19 septembre. All right, we're back here live for more Summer Game Fest. The First Descendant, powered by Unreal Engine 5, is a next-gen looter shooter with dynamic cooperative gameplay, including a grappling hook mechanic. It is finally set for release, and we're very happy here to debut the new trailer and the reveal of the release date. Et la date de lancement du jeu. Le 2 juillet 2024. Ah, ça va sortir rapidement, ça. That looks awesome. The First Descendant will be available across PlayStation, Xbox, and Steam. Wishlist it now and prepare for the release on July 2nd. And now, please welcome two developers whose hit indie game, Among Us, took the world by storm and a couple of game awards. From Inner Sloth, here are Victoria Tran and Doris Willard. Les développeurs d'Among Us, du coup, qui arrivent sur scène. Can you believe they just let us be on this stage? Like, no chaperones, like... Okay, l'imposteur. Can we announce something totally fake? Oh, do you like, think they'll let us do that? Among Us 2? Among Us 3? 4? No. Oh, all right. Well, turns out we actually have something very real we wanted to present to you all today. On va présenter un nouveau truc, ce sera pas Among Us, ni le 2, ni le 3, ni le 4. Games in recent years, but it's also been no secret that it's kind of a rough time in the industry. Some devs don't really get the chance they deserve, so we thought we could help out a little bit. That's why we're excited to announce our side project, Outer Sloth, an indie game fund we made that offers the kind of deals we would have wanted back in our less popular Among E days.
This is our way. A priori, of saying ils ont thank financé, you to our crewmates, financé le jeu. Players, peers, by helping some games and devs have the funding and freedom needed to ship their games, and then we all get to play them, which was the real plan. I really want games. Outer Sloth is our passion project and dream for a better, more sustainable industry. We are really excited and incredibly, incredibly nervous to reveal it here and show you the current lineup of games we've managed to fund because of you. Okay. And don't worry, Jeff, it has your favorite, a ton of world premieres. Enjoy! Ok, donc a priori, c'est c'est une sorte d'éditeur indépendant qu'ils ont fait à côté. Pour financer, en fait, ils vont financer des jeux, d'autres jeux. C'est cool. Et ça, c'est grâce à l'argent qu'ils ont fait sur. On a déjà vu ça, Mars First Logistics. Et du coup, ils servent de l'argent qu'ils ont eu sur Among Us pour financer d'autres jeux d'indépendants. C'est cool. Studio Any% and we're making the Mossfield Archives, a game about building and exploring connections. Hi, we're Midnight Munches. We just released a demo for One Button Bosses, our boss rush game with a single button to press and a ton of bosses to beat. Hey, I'm Husban, game director at Huscrofts, and this is Rogue Eclipse, our epic spaceflight action roguelike, where you'll have to customize and master your starfighter, take on merciless armadas, and vanquish a fleet of colossal super destroyers. Nice. And we do have one more game that's very early in development. Hi, I'm Eka, creative director of Outer Loop Games, makers of Thirsty Suitors and Falcon Age. In our new game, explore the world in an upgradable mech and cook up tasty dishes for local communities. Fight off corpos, discover new DOSA recipes, and reunite with your strange loved ones for one last meal. Project DOSA is a game about life, death, love, and food for the soul. Killing crewmates, help us make games. Cool, j'aime bien cette tagline. Thanks, Victoria and Forrest. Those all look fantastic and I cannot wait to play them. Bro, c'est tous les crewmates nous ont aidé à faire ces jeux, à financer ces jeux. Coming out of Inner Sloth. Did you know that there's going to be an Among Us TV show? Ah bah, il va y avoir Among Us TV show. Une série Check sur out Among this Us. Sneak peek. D'accord. Up next, we have Sonic X Shadow Generations. Sonic, ensuite, X Shadow Generations. A definitive greatest hit collection of 3D and 2D levels from Sonic and Shadow's history. Now it's time for a glimpse of Shadow's brand new powers and gameplay from a standalone campaign, as well as the official release date announcement. Un trailer et la date. We'll be right back.
overcome every obstacle with this power. 25 octobre. The Year of Shadow, right? A movie coming in December too. Exciting stuff. All right. In the upcoming film Shadow qui sortira en décembre. Game, Dune Awakening from Capcom, Dune Awakening. There is one nice. Small decision that unleashed a chain of events which set the stage for the story the player will experience. Let's find out for the first time what that is. OK, on va voir un petit peu à quel moment on se situe dans Dune. One where I, Paul Atreides, was never born. Ah, OK, Jessica fait pas naître Paul. I created the future until it created me. But I see a narrow way, a path that might have been. What if my mother had obeyed her orders and given birth to a girl? Atreide. Everything would change. Dr. Yue exposed before his betrayal. A world where my father lives. House Atreides surviving the Battle of Arrakeen. Sardaukar deployed to protect the Spice Melange. A war of assassins spreading across the planet. Fremen exterminated. No, Muad'Dib. No, Lizan al-Ghayib. No, Kwisatz Haderach. All of my visions lead to horror. Except for this one. This one leads to you. Ok, ça m'intéresse. Si c'est bien écrit, ça devrait être pas mal. En gros, c'est Dune, mais si Paul Atreides n'était pas né, si Laetitia, Jessica, pas Laetitia, si Jessica avait eu une femme à l'époque, Dr. Yue qui aurait été démasqué avant, Leto qui vit, les Sardaukar qui aident à maintenir les pistes et les Fremen exterminés. Tell us more about Battle Aces and show you Battle the gameplay. Aces. Here's David Kim from Uncapped Games. Thanks, Jeff. So Battle Aces is the RTS game for everyone. Okay, c'est un RTS pour tout le monde. New to RTS as well as RTS veterans. We c'est pour really want ceux to bring qui découvrent le RTS ou même les everybody, kind of like how games such as World of Warcraft did for MMOs or Hearthstone did for card games. So Battle Aces is an action army versus army game that has a high emphasis on strategy. We want to bring this type of very specific RTS fun to players in two major ways. First, we want to amplify both the in and out of game strategizing through unit decks. And what makes unit decks very cool is not only will players be able to define the exact way that they wish to play, but also, players will be able to experience an endless possibility of strategies. Second, we want to eliminate the tedious clicks required to play an RTS as much as possible les so that players playing this game are experiencing only the fun parts of playing an RTS game. So, if you want to learn more about Battle Aces, or if you want to sign up for our beta test that's coming up very soon,
then please make sure to visit our website at playbattleaces.com. Thank you. Thank you, David. That was fantastic. Intrigué par le fait de voir comment ils veulent diminuer les clics sur un FTS. Destination for a game that Shadow dropped at the Game Awards last year, The Finals, with its unparalleled destruction wrapped in the world's most deadly game show. Now, after dozens of updates and two seasons, we're unveiling where contestants will be going in the all-new season starting next week on June 13th. Sharpen your katanas and welcome to Season 3 of The Finals. The final season 3. Eh ben merci Maximilien, merci d'être passé, bonne nuit à toi. Et merci pour le follow. Pas pour moi, ça. The finals in Kyoto. All right. Please welcome multiple Game Awards winner and a dazzling Game Awards performer, if I do say so myself, Sam Lake from Remedy. Sam Lake de Remedy qui vient ensuite. On va parler d'Alan Wake 2, un DLC. I think that's enough. Thank you. Hi. You see, this is now the only way they let me come on stage to tell you something exciting news about Alan Wake 2. Et c'est la seule manière dont ils font d'accepter que je vienne sur scène pour parler de choses intéressantes sur Alan Wake 2. Remedy Game Collection pictures on your shelves with Alan Wake 2 so far digital only, sadly missing. Well, we are excited to announce physical deluxe editions and physical collector's editions. Okay, les éditions physiques pour Alan Wake 2 qui sortira cet automne. You can lock in your copy starting tomorrow. Et les préventes Next, à partir de demain. We promised you some expansion content for Alan Wake 2, right? I'm thrilled to introduce you all to ouais, mais c'est plus être de la collectionniste, ça. Alors, Night Spring, du It coup, qui va être le DLC pour Alan Wake 2. Trois épisodes. Familiar, fan-favorite, playable characters in mysterious, terrifying, and quirky what-if scenarios. C'est du scénario what-if. It was a chance for us to really go out there. As if we already didn't. Night Springs will be playable today. In less than 24 hours. Dans moins de 24 heures. Ok, Night Springs sera sorti. C'est du Shadow Drop. Thank you. Now, with this world premiere, I invite you to step into Night Springs. Avec le trailer qui. Night Springs, a special place, a shifting space, existing in a countless number of parallel realities. Different every time we set upon the road that leads us there, and yet always familiar to us. In Night Springs. I'm in danger. Please, my number one fan, you're the only one who can save me. And I will come back for you, my love. Ah, tiens, c'est... Sean, I'm really happy. Et Sam Lake est dans le jeu. I was the only one who could save the writer and the very soul of literature.
Something was different. Ah, c'est la fille de contrôle, non? Ok, on est dans le Remedy Universe, là. Parce qu'il y a aussi celui Ça sera disponible demain. Pas Quantic Dream, Quantic quelque chose. Seeking mastery over death itself. A cruel and beautiful paradise where primal forces clash over the island's deepest secrets. Where ancient where is my life? Mysteries awaken. Where's my mind? Pardon, pas where's my mind. Are forged and demons are born. This is Eternum. Ok, l'expansion pour New World. That's right, New World Eternum will launch on PS5, Xbox Series X and S and PC on October 15th, and now you can play the game start to finish. Il y a beaucoup de choses qui sont autour du 15 au 30 octobre quand même. If you're watching SGF on TikTok Live right now, you can comment HSR in the chat to claim a special in-game bundle for Honkai Star Rail of Stellar Jade from TikTok Game Rewards. And speaking of Honkai Star Rail, HoYoVerse's latest space fantasy RPG just concluded its version 2.3 special program a few hours ago. But there's more. A sneak peek at the upcoming expedition featuring a beloved character who is clearly ready for the forthcoming journey with her brand new look. Why do people choose to sleep? It's because they're afraid to wake up from the dream. You see, everything is possible in this land of dreams. The nightmarish past will disperse and fade away like bubbles in water, and the future that you don't want to face will never come. Star Rail, la nouvelle saison. Dark and Darker. Ça, ça a pas l'air fou. C'est hyper attendu. D'accord.
C'est un jeu qui a dû faire sa bêta à cause d'un procès. Tu connais pas? Non, ça me parle pas du tout. There you have it, the unforgiving fantasy FPS dungeon PvPvE adventure Dark and Darker is now live on both Steam and Epic Game Store today. So play it this weekend. All right. Bon, on va dire que c'est lots pas mon of fans style. Are joining us here in person at the YouTube Theater, and we thank you for that. And ahead of the show, four lucky fans were upgraded to our VIP section thanks to the Discover Orange Ticket upgrade. With Discover, you don't have to be a VIP to be treated like one. All right, now here's the announcement of the release date for Capcom's upcoming Kunitsugami Path of the Goddess. Toi, qu'en étant retiré de Steam, en ne communiquant que par des channels parallèles et en demandant aux joueurs d'DL leur bêta via Fishy Torrent, ils ont eu 300k joueurs. Ah oui, d'accord. Mais genre 1 million quand ça va être. Ça a été dispo via Steam. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient retirés? Breaker. Well, you're a cute little doggy, don't you know? Well, you're a naughty little doggy. Son histoire avait été créé par un éditeur géant coréen, j'ai plus le nom, ils ont décidé de stopper le projet, du coup, l'équipe s'est barrée pour ouvrir leur propre studio. D'accord. Ça a cartonné, du coup l'ancien patron les a poursuivis pour vol de propriété. Ok. We know you may have heard the stories about the fine people here at M-Corp, so we wanted to take this time to dispel any of these completely unfounded rumors and allegations and reassure you that things here at M-Corp and the city of San Vansterdam have never been better. Things are going great here. We have absolutely nothing to hide from the citizens. Everybody here at M-Corp loves this town. We think this town rules. Why would we hurt a town that rules? I can't stop thinking about how you're saying we're selling the city for scraps. That makes me sick. That makes my whole family sick to their stomachs. My wife hasn't been on the toilet for weeks because of what you're saying about what M-Corp's doing to this town, all those lies. Everyone at M-Corp is really good. Stop crying, all right? This is business. Look around, pal. This is how businesses are run. Now, you should have known that when you were hired on, okay? Jack, tissues, come on, pal. Ah!
That's not about this. That's a father and son. That's actually a home issue. We love it here at M Corp, and we are not going anywhere. We'll be here a long time. Fine. Nobody panic. Je sais pas du tout ce qu'on vient de voir. All right, welcome back to Summer Game Fest, and now let's head to Sam Vansterdam for a new look at Skate from EA. Ah, c'est ça. Hey Jeff, how you doing, bud? Dark and Darker, c'est un gros escape from Tarkov, like version de Donjons & Dragons. Okay. They're gonna need a lot of help cleaning that up. That's bad. On travaille toujours dessus, en gros. Que ça fait 6 ans qu'il bosse dessus. Ouais, bah, il travaille encore dessus, a priori. We'll finally be able to play Skate on console in the near future. Our next world premiere is an indie sensation from Japan that is adorable, deadly, and has over 25 million players worldwide. That's right, I'm talking about Pal World. Alors, Pal World. I mean, just look at the giant depresso. Cheer up, buddy. It's Summer Game Fest. Now, here is the first major update announcement. A whole new island is coming. Une nouvelle île arrive pour Palworld. Ça sort le 27 juin. That was high on the Steam charts. Congrats to Palworld on the new update. Next up, we've got a big announcement from Valorant. Here's Andy Ho. Et une nouvelle annonce ensuite pour Valorant. From the Valorant dev team. Guys. Thanks, Jeff. Hey, everyone. Since 2020, we have been fortunate to serve players in their pursuit of what we call the Valorant moment. The big plays and clutches you make while all eyes are on you. Millions of players all over the world have earned their own Valorant moments on PC. And today, the stage is set to welcome a whole new group of players. Okay, Valorant va sortir sur console. This way.
qui va sortir sur Xbox et PS5. That was Valorant's core tactical gameplay. Everything you just saw was captured on console and with a controller. Valorant is coming to PlayStation 5. Ça a été capturé sur console et avec un contrôleur. Our limited beta starts June 14th. La bêta commence le 14 juin. Et on peut s'inscrire dès maintenant à la bêta. We are so excited for your input to make sure that Valorant plays great on console. And we hope to see you soon in the limited beta. But before we go, here's the head of Valorant Studio, Anna Donlan. Thanks, guys. Hey, everyone. One of my favorite things about Valorant has been seeing the community build the game and the sport right along with us. For the last 4 years, we have been on the most amazing journey, bringing Valorant to players all around the world, most recently to China, where I'm currently at Valorant Masters, one of our largest global tournaments and community celebrations. Seeing the community evolve as new players bring their passion and expression to Valorant has been the biggest joy of the ride so far. And now we are ready and so, so excited to welcome a whole new group of players onto new platforms. We hope you'll join us and we can't wait to see where you take us next. Elle était en Chine pour les Masters. Marketing. Exciting to have Riot on console with Valorant. Thanks to the team at Riot for sharing that with us here at SGF. Oui, bah c'est Riot. Our next announcement is a big deal from our friends at DoorDash. 5 weeks of deals with Summer of Dash Pass. Sign up for Dash Pass now for $0 delivery fees and get 50% off your next DoorDash order. Now, here in the audience, we've got a guy who is normally co-streaming our shows, Yang Ya, who is also an amazing voice actor, who's been in countless games such as Like a Dragon and God of War Ragnarok. Well, next week, Yang is going to be voicing a character in a movie, Inside Out 2, where he plays a fictional video game character, Lance Slashblade. And we've got your exclusive first look. Check this out. Un voice actor jeu vidéo qui Welcome va faire du. To your eternal fate. Qui va être dans Inside That. Enfin. Inside That 2. Yeah, I always thought Riley had a secret crush on him. I never saw the appeal. I long to be a hero. But darkness haunts et il va jouer. Past. C'est lui qui joue l'acteur, le personnage de jeu vidéo. Here, deemed unfit, worthless. You dare say that? You do not deserve to be thrown away. One second, Lance. Don't you remember his power move? I'm coming for you, Riley! Oh, yeah? Watch this! Come on! No one is totally worthless. But I am a warrior cursed with a feeble attack. Then you must make your curse your gift. Shield yourself, my friends, for I shall set you all free! The number one gaming monitor brand in the US, Samsung, just released new 2024 monitors for gaming, work, and entertainment. Scan the QR code now to get up to $300 Samsung credit when you purchase through June 17th, plus a chance to win $5,000 Samsung credit for US residents.
Summer Game Fest 2024! Look at all of you cooped up watching video game announcements. And yes, Chicken does look a lot like Ken Jeong. And today, Chicken is excited to share a new game that Chicken and Chicken's buddies are in, called Squad Busters. You fight monsters, collect lots of shiny things, and Chicken has a big role. That's all that matters. And here is our big ad. Squad up. I mean, cock-a-doodle-doo. What's going on? Who are you? Look at your phone. I'm the Chicken. We're here to make your life more fun. I'm fine. I drink right out of the carton. I don't think you know the definition of fun. Come on, get up. I am butt naked from the waist down, so... Get out of the f***ing bed, dude. Get out of the bed. All right. Tell me about yourself. I think I'm an excellent candidate for the job because... Your swordplay, tell me about your swordplay. He is a bridge. He's one of the most equitable people I've ever met. So great emotionally. Yeah. Also, I've pillaged a few villages. I'm not a lawyer, okay? I'm just a lumberjack. Just don't think you're qualified to be an accountant, so. Which is why you'll have the job. Oh, congratulations. What's the parking like? There's more where that came from. Oh, I hope not. Guys, maybe everything isn't a squad activity. Relax your bowels, your mind. C'est gênant là même. Look at these clowns. You call this a squat? Pathetic. Imposter. Jinx. 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 No, you Jinx. You supposed to be a lumberjack? Hey, you wouldn't happen to want to go chop some trees, would you? I'd be delighted. I think our job here is done. Where are you going? You can't leave. We ain't never leaving you. Goodbye. Here. That came from inside me. Do you want me to shut the door, or? Okay. What? All right, please join me in welcoming to the SGF stage Monster Hunter series producer, Mr. Ryozo Tsujimoto! Ryozo-san! Alors, la série Monster Hunter. 今日はですね、モンスターハンターワイルズの最新の映像を持ってまいりました。 今回ですね、後半にですね、完全新規で、今回初お披露目の大型のモンスターも出てきてますので、そちらも注目していただけたらと思います。 Thank you, Jeff. Hello, everyone. We've Bonjour prepared à tous. A very special trailer on today a for un trailer pour Summer Game Fest. I want everyone to be on the lookout for a very mysterious large monster near the end of the trailer, as it's an important monster within the game. Il y a un monstre à regarder à la fin. C'est comme ça du direct japonais. Monster Hunter Wilds va 2025 PlayStation 5, Xbox Series X. Ça va jouer sur PlayStation. そして PC で同時発売となります。また今回はですね、プラットフォームの垣根を越えて一緒に遊ぶことができますので、そちらも楽しんでいただけたらと思っています。 As you'll see, we're working to deliver a gaming experience that merges immersion and action. I hope players look forward to playing with their friends across different platforms when the game launches simultaneously in 2025. Je serai disponible en 2025 simultanément sur PS5, Xbox et PC. 最後になりますが、8月に行われる Gamescom のオープニング Night Live こちらの方でも新しい映像を持っていきますので、皆さん楽しみにしていただけたらと思っております。
またですね、ゲームズコンではですね、初のプレイアブルのできるような形で出展も考えておりますので、そちらもぜひ楽しみにしていただけたらと思ってます。Lastly, there will be a new trailer for Monster Hunter Wilds at Opening Night Live at Gamescom. Il y aura un autre trailer à la Gamescom lors de l'Opening Night Live fin août. Thank you. Alors, je sais pas s'il termine là-dessus ou s'il y aura encore un truc après. En tout cas, il faut surveiller un gros monstre vers la fin du trailer. A priori, c'est un monstre important. Pour Monster Hunter Wilds. Thank you, Ryoza-san. We will see you at Gamescom in August. Now, during last year's PlayStation Showcase, the game Phantom Blade Zero from S-Game wowed us all with its blazing fast combat and stylish art. Well, I'm honored to share with you the brand new trailer for the game featuring all real gameplay. Here's our final game of the show, Phantom Blade Zero. Le dernier jeu du show, Phantom Blade Zero, que l'on a vu l'année dernière lors du PlayStation Showcase. Ça veut dire, il manque des jeux que je voulais voir, comme le Jurassic Park Survival. Malheureusement, on va pas en avoir aujourd'hui. Tu vois, il envoie. Et ça, ce sera l'endroit où seront disponibles pour les démos. Le World Tour Demo de 2024. That looks so good. Full demo that Media will be playing this weekend, so you'll hear much more about that. And that's going to do it for our Summer Game Fest live show. Thanks to Joy for joining us. Thank you, Jeff. I had such an amazing time. Happy Summer Game Fest, everyone.
Thanks, Joy. And we have so much more, so stay tuned, because Day of the Devs is coming up live right now on the stream, featuring an hour of indie game reveals, including the next game from Cappy, and that's followed by Devolver Direct. Now keep checking SummerGameFest.com for other event streams this weekend, and we'll see you again live. Et ça va être la fin du coup de cette conférence. Gamescom opening night live. Le 28 août, ENL. Day of the Devs starts right now. 28 août, la prochaine conférence de Jeff Keighley, ce sera l'Opening Night Live de la Gamescom. Donc Jurassic Park Survival, j'aurais aussi aimé en voir un peu plus. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça. Bref, on va s'arrêter là du coup. J'avoue que je vais pas regarder le Day of the Dev, parce que je me lève dans quelques heures. J'ai déjà pas beaucoup dormi cette nuit, donc voilà. Au niveau des conférences... On se retrouvera, pardon pour ça, on se retrouvera dimanche normalement pour la conférence Xbox, le Xbox Game Showcase à 19h. On va voir les nouveautés côté Xbox. 22h, la conférence qui peut être cringe à des moments, le PC Gaming Show. Et lundi, l'Ubisoft Forward qui sera à 21h. Voilà du coup pour les conférences qu'on va suivre. Il va être 1h du matin. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci à vous d'avoir été là. Merci Termine d'avoir été présent, d'avoir discuté un peu. Merci pour le stream, bah, avec plaisir toujours. Et puis bah, moi je vous dis à dimanche. Dimanche après-midi, on fera peut-être du Lego aussi. Allez, je vais vous envoyer chez FF qui fait du Persona 5 Royal. Ah, j'attendais peut-être aussi un peu Persona 6, mais... je vais pas aller voir parce qu'a priori il est plus avancé que moi dans le jeu, donc je vais pas y aller là-dessus. On va aller voir plutôt Note qui fait du Dooms 2. Bonne nuit et à la prochaine. Salut tout le monde.